monde, c'est Maude Leblanc, coordonnatrice au sport chez Olympiques Spéciaux Québec. Aujourd'hui, pour la capsule de sport spécifique, nous allons voir la balle molle. À softball, balle rapide, donc c'est par en dessous. Une balle rapide, c'est comme quand on lance par dessus, le pied qui pointe où tu vas envoyer la balle. Mais moi, je la tiens pas vraiment à eux autres, je la tiens d'une autre façon. Moi, mes mains, je vois ses coutures. C'est ça qui fait travailler ma balle. Okay. Fait que là, je vais y aller pour une balle rapide, mais vu qu'on est proche, ça sera pas trop vite. Lancer une tombance, la position des doigts est différente. Et comme ça. Puis, au lieu de l'envoyer comme ça, tu vas vraiment l'envoyer comme ça. Puis, je vais fouetter la balle. Mais là, elle ne tombera pas, on est trop proche. Okay. C'est possible d'envoyer une tombante à 15 pieds. Mais le mouvement, c'est comme ça. C'est impossible de lancer une tombante. Le papillon, je la tiens comme ça. C'est un peu comme au baseball, le gars qui lance un papillon, okay. Mais la balle va être plus petite. Hein? Moi, c'est une grosse balle par en dessous. La main, elle ne bougera pas. Normalement, on lance à trois doigts, comme ça, ta balle, elle va pas partir n'importe où. En ligne droite pour pas que tu lances de même, tu vas te faire mal aux épaules, tu lances par là, ça ne va pas bon. Puis tu mets aussi ton pied en avant, pointe-toi ce que tu lances. La balle, on appelle ça la diamond. Il ne va pas courir de la même façon que s'il frappe la balle en lieu sûr pour faire un double ou un triple. C'est pas pareil. Là. Lui, il veut juste être sauf au premier but. Donc, il va faire une course, vas-y, en ligne droite pour battre de vitesse le lancer qui va se faire au premier but. En ligne droite. Si la balle est dans le trou, c'est entre deux joueurs. On appelle ça un coup sûr de plus d'un but. La course sera pas pareille. Lui, il sait qu'il va. Lui, il s'en va, là, dès la balle est frappée, il sait qu'il vise un double ou un triple. Fait que tu sais quoi faire pour démontrer qu'il s'en va aux deux. Regarde, au lieu d'aller tout droit, il contourne. Il contourne et contourne, puis là, mais il regarde la situation du jeu ou il regarde l'instructeur au troisième but qui va lui dire il est temps ou stop.